Salut, c'est Will Longomba, le propriétaire de tous les dossiers. Alors, je vous annonce que Papy Depp vous invite à la grande soirée. Depstal t'accompagne DJ Bobby et toutes les hôtesses de la bodega. Là-bas, il y aura une soirée appelée soirée Chivas. Et donc, on va avoir tous les succès du temps passé. Et pour en parler, comme vous l'avez entendu, voici Depstal. DJ Bobby, par ici. Voilà. Vous êtes tous les deux seulement, non, à parler. Là-bas, il n'y a pas une troisième personne, je peux appeler mon ami américain finalement. Voilà. Donc américain number one, c'est même pas la peine de le présenter, il est là. Il s'en baille. Qui est lui avec Tela Africa pour ses grandes soirées de la Tabaski. Hein. Moi je demandais au début, hein, Tabaski, tabac, chez nous c'est le mouton. Est-ce qu'il y a un rapport entre Tabaski et le mouton, la fête du mouton? Alors, Tabaski, si on parle de Tabaski, fête du mouton, ça vient d'un prophète qui s'appelait le prophète Ibrahim, parce qu'il avait fait un rêve. Le rêve, ça vient de Dieu. Dieu le dit dans le rêve, il faut tuer ton enfant unique. Donc, comme il croit le bon Dieu comme il est, il prend le couteau, une minute pour le faire, le bon Dieu a envoyé un mouton, il tire l'enfant. Dès qu'il finit... Don't.
très fort, cette fois-ci, c'est plus tard que jamais. C'est du Maxi, 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 Maxi. Et Maxi, Maxi, Bouka. Aïe, 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 vous connaissez la voix. Mon âme, moi, c'est Stéphane Ducouré, d'Amidou, du Sagala, Sagacité. Aïe, 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 les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent. Les gens n'aiment pas les gens, mais ils aiment l'argent des gens. Oui, j'aime les jaloux, j'aime les méchants, j'aime les aigris, parce qu'ils me permettent de me corriger. Je suis fort, vraiment fort, et très très fort, sérieusement fort. Oui. On n'est pas président pour rien, on est président quand on est fort. Depuis 5 ans, depuis 6 ans, je suis fort. À la laïe, c'est un rire de courir très fort. Et c'est la rivière qui compte, on va tout doucement, on va tout doucement. Non, hommage à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse de tout le monde entier. Et sachez que dans la vie, seul le travail paye. Il faut lutter, il faut se battre, il faut batailler pour arriver là-bas. Mais ça sent pas. Je dirais tout simplement que c'est la reconnaissance par rapport à ce que le grand registre a fait pour moi. Il m'a vu au début jusqu'à la fin. Bon, je ne sais pas encore la fin, je ne fais que monter. Mais le grand est toujours là avec moi. Donc je dis merci à tout ça que j'ai récompensé de ce modeste cadeau. Un modeste trophée, la gloire du grand registre. Merci. Merci la police, très bon, vous m'avez dit, s'il vous plaît. Sauf si vous êtes contre mon trophée. Merci. Alors, Papy Bep, c'est un acte important que tu viens de poser. N'est-ce pas? Ils ne sont pas nombreux à reconnaître aux aînés ce qu'ils ont posé comme acte. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a des petits qui pensent qu'ils sont devenus grands. Le par là, maman! Alors qu'ils sont petits depuis 15 ans. Moi, ça fait 16 ans de métier et c'est la première fois qu'on me récompense comme ça en boîte de nuit à l'occasion de ton anniversaire à toi. J'ai comme l'impression que la fête aujourd'hui est la mienne, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est ton anniversaire, c'est ta fête à toi. Et j'aimerais qu'on applaudisse très fort pour lui, Papilet. Parce que c'est un petit qui sait reconnaître les grands. Anniversaire de Papy Dep. Il a tenu à ce que les grands frères, les petites sœurs, les grandes sœurs soient là. Nous sommes venus, on est très contents, même si c'est un jour ouvrable demain, on tenait quand même à rendre un hommage à quelqu'un qui fait beaucoup pour notre culture. Vous savez, un pays sans show business est un pays mort. Comme disait un grand frère, vous participez aussi de la décoration de la ville. Si la ville ne vit pas, ben, c'est qu'elle est morte de toute façon. Et Papy Dep est l'un des acteurs de la vie de la ville de Libreville. Et pour ça, je tenais à être là pour lui rendre hommage, lui dire bon anniversaire petit frère, continue comme ça. Un jour, ce pays reconnaîtra ses efforts à chacun d'entre nous. Bon anniversaire encore et à très bientôt parce que moi, le 4 mai, je ferai le mien. Je ne vous dirai pas comment, vous le saurez plus tard. Merci. Ok, mais j'ai trouvé l'anniversaire vraiment sympathique. Et ce qui m'a surtout marqué, c'était de voir que Papy Dep a pu réunir tous les communicateurs, tous les artistes, toutes les personnes qui font un peu la vie culturelle du Gabon. Et c'était vraiment bien de voir que toutes ces personnes finalement se serrent la main, qu'il y a une certaine solidarité. Et la vérité, ça m'a fait penser un peu aux émissions qu'on voit sur MTV, les soirées entre stars, quand ça se retrouve. Vraiment le monde des people, même si après chacun fait sa vie. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Donc félicitations à toi. Je pense que objectif atteint, tu as pu réunir tout le monde. Et puis à qui à la suite, on verra bien. Voilà. Ok, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, dans quelques instants seulement, c'est prestation. We'll be right back.
chose a manqué. Oui, j'étais là. Là, tu n'as pas vu le geste. Non, mais le problème, c'est qu'il n'est pas venu, il n'est pas venu. Non, dédicace à 20 km. C'est toi qui parles, moi, je ne parle pas. Pourquoi tu fais ça? Il parle des problèmes. Ça, 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 ça. Et bien, c'est la bonne. Et t'as voulu la bonne. Monsieur Papidep, que vous connaissez tous, qui a toujours été un ambassadeur de la culture, il a mené l'action, cette action ici aux États-Unis. Je veux que tous les Africains qui sont connectés. Depp Style. Voilà. Tout Depp Club, Depp Style et Papidep. Très influencé par Johnny Depp. Il finira par payer les droits à Johnny Depp. Alors, moi, j'aimerais savoir, parce que j'avoue que je suis un peu surpris et séduit, parce que je connais un peu Papidep, je suis assez surpris par son parcours. J'aimerais savoir, Papidep, comment se comporte le showbiz gabonais en ce moment? Bon, je dirais le showbiz gabonais, c'est un partenaire à cette nouvelle génération du showbiz. Le showbiz en baisse tous ces derniers temps parce qu'il n'y a plus d'organisation. On n'en parle jamais. Tout c'est bien, il y en a qui vivent bien, dans le, c'est tellement qui roulent dans de grosses voitures, qui vivent bien dans leur maison. Mais on n'en parle jamais. Mais on parle toujours quand Papidep a fait un petit truc qui n'est pas bien et voilà. Tout le monde en parle. Dernière question. Il paraît que vous avez organisé un spectacle au Cameroun. Oui. Vous avez annoncé cela sur les chaînes de télévision gabonaises, oui. Mais que ce il paraît que ce spectacle ne s'est jamais tenu. Ben, il faut avouer que nous sommes arrivés au Cameroun au moment qu'actuellement il y a des élections. Mm-hmm. Hein, donc, ce sont les autorités qui nous avaient demandé de repousser notre manifestation. Mais oui. Tout était déjà calé. On a dû faire la publicité. On a payé les chambres d'hôtel, oui. Et on a les sponsors sur place là-bas. Je pense que avec tout ce qu'on nous a donné, le spectacle aura toujours lieu. Vous aviez même déjà commencé à avancer les cachets des artistes. Les billets, effectivement, les billets ont été déjà vendus, hein, parce qu'il y a les gens qui ont gardé leurs billets. D'accord. Donc on attend juste que les élections s'achèvent et nous on va relancer dans d'ici peu, certainement, c'est au courant. Et vous serez parmi nous au Cameroun. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on va en parler encore. Merci, Papi voilà. Depp, et félicitations c'est moi encore qui pour vous ce dis. Que vous Merci. Faites. Merci encore, Cédric. Nous remercions Dieu de vous avoir gardé en vie parce que vous comptez pour le Gabon. Merci. C'est le Dieu puissant, Dieu le Tout-Puissant qui détient le monopole de la vie, n'est-ce pas, c'est qu'on dit. N'écoutez voilà. Jamais ce qu'on vous dit. Restez oui. Tel que vous êtes parce oui. Que vous faites la fierté du Gabon. Vous êtes un battant oui. Et beaucoup de jeunes vous prennent en exemple. Merci. Papidep, merci. Merci encore. On est ensemble. Toujours. Mesdames et messieurs, c'était Papidep, justement, un promoteur dans le cadre du mannequinat au Gabon, mais aussi un responsable de plusieurs établissements, boîtes de nuit, nightclub et tout ce que vous pouvez imaginer. Il a aussi d'autres activités. Il fait louer ses véhicules. C'est une véritable star que nous avons là sur ce plateau. Merci d'avoir suivi cette émission. On va se retrouver la semaine prochaine. On n'est pas obligé de s'approcher. On reconnaît la valeur de ce qu'on a fait.